Bienvenue à tous. Dans cette partie, nous allons maintenant nous intéresser à la partie restante. Cette partie-là, jusque-là, on ne l'a pas encore touchée. Alors, si celui-ci va être affiché en premier, la seconde partie va être la partie qui va se superposer au-dessus. Alors, nous devons déjà mettre son interface en place. Sans pour autant tarder, nous attaquons déjà. Au niveau du HTML, le div qui la gère, c'est à ce niveau, div affichage. Nous la sélectionnons. Voilà. Alors, lui également, nous allons lui mettre une bordure. Border solide dièse 666. Un pixel. Alors, une fois nous avons placé notre bordure, alors pour se faire une idée, j'aimerais assez qu'on puisse lui donner déjà les valeurs par défaut. Un if. Je lui donne un min if, c'est-à-dire la valeur minimale qu'il peut avoir. Je lui donne 1200 pixels et je mets son background à black. Nous allons revenir là-dessus. Je peux actualiser. Voilà, on voit clairement qui l'appareil là. Alors, cette image, je vais quand même la positionner à un bon endroit. Notre div btn, je commence par ces fameux boutons. Pour lui, nous mettons encore pas grand chose, mais déjà nous allons nous attaquer à son span. Je vais simplement la dupliquer. Contrôle 2. Je fais supérieur. Je mets supérieur span. Alors, au niveau de ces spans, je vais changer la couleur. Je fais color white. Une fois que je change la couleur, je mets un back ground red, rouge. Je mets un padding de 15 pixels. Je mets un border radius de 10 pixels. J'enregistre, j'actualise. On voit là quelque chose qui apparaît là. Il est là. Alors, je vais quand même la déplacer. Pour la déplacer, je viens au niveau du div btn. Je mets un padding left de 700 pixels.
on voit qu'il apparaît là. Je dois encore rajouter. Je la mets à 1000. Il est un peu de l'autre côté. Je rajoute à 1200. Voilà, à 1200, je peux rajouter un tout petit peu, 1250. À 1250, il est allé beaucoup trop loin, 1220. Voilà, à 1220, c'est vraiment de ce côté-là. Et je dois lui faire descendre un tout petit peu. À 1220, ça va quand même. À 1220, déjà ça va. Alors, je m'attaque directement à l'image. J'ai div img. Les div img, les div img, quant à celui-ci, il a déjà un width. Son width, je le mets à 600 pixels. Son nef, je le mets à 700 pixels. Et le margin, je le mets à auto. J'actualise. On voit qu'il est là. Alors, je descends au niveau de l'image img grand. Je sélectionne l'image et je mets son width à 100%. On voit là qu'il apparaît beaucoup plus grand. Je peux quand même la réduire parce qu'il est beaucoup plus large. Je le mets à 400. Et là, je le mets à 550. Voilà. Là, c'est parfait. Alors, ce que moi je vais faire, c'est d'introduire d'abord la transparence. C'est-à-dire, ces éléments qui sont en noir, je ne veux pas qu'ils soient comme ça. Je vais introduire la transparence. Pour introduire de la transparence, j'enlève la couleur. J'enlève la couleur du background. À ces niveaux-là, div affichage, j'enlève, je vais utiliser la notation RGBA. La notation RGBA, RGBA, c'est vraiment la notion toujours du RGB, la notion de couleur, mais maintenant le A va me permettre d'introduire la transparence. Alors, je mets 10, et puis virgule 0.4. J'actualise. On voit là quelque chose de beaucoup plus clair. Je peux encore le mettre à 20 pour voir ce que ça va donner.
Voilà. Alors, à ce niveau, déjà, ça me va. Alors, ce qui me reste, c'est de la positionner au-dessus de cette partie-là. Qu'il soit superposé à celui-là. Alors, pour le faire, je commence par changer son positionnement. Je lui donne maintenant la position. Position absolue, point virgule, je mets les top à 0. J'actualise. Position absolue. Position, c'était ça l'erreur, position absolue. Voilà, on voit clairement que mon élément a été superposé au-dessus. On voit les images qui sont restées en bas et que mon élément est bel et bien été superposé au-dessus. C'est vraiment ce que moi je voulais, c'est vraiment le comportement que moi je voulais. Bien, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations.